Bonsoir à tous à la une de la Minute Info de ce samedi. Arrêtée dans le cadre du meurtre de Danan Oklu, la belle-fille de la victime, Hema Oklu, raconte ce qui s'est passé le jour du meurtre. Selon elle, c'est une dispute entre Akash Oklu et son père qui serait à l'origine du drame. Lors de son interrogatoire, elle a déclaré que son mari avait roué la victime de coups. Il lui aurait ensuite demandé d'aller chercher un couteau dans la cuisine. Hema Oklu a comparu devant la Belen Remand Court ce matin. Elle a été reconduite en cellule policière. C'était le principal sujet abordé lors des différentes conférences de presse en ce samedi. Les membres de l'opposition ont salué le travail effectué par l'Express qui a révélé le scandale impliquant l'ex-attorney general. Étienne Sinatambou a lui demandé à ce que cette affaire ne soit plus commentée. Marion Aubin a procédé ce matin à la remise des médailles aux 398 policiers ayant complété leurs 18 années au sein de la force policière. Il a profité de l'occasion pour rappeler qu'il serait sans pitié contre les policiers qui choisissent le mauvais chemin. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée à tous.